j'aurais demandé à toute personne connectée à cet hôtel en ce moment précis, quel que soit le lieu, de placer sa main sur son cœur. Ô Père, merci d'accorder à chaque personne connectée à cet hôtel en ce moment précis la capacité d'entendre, la capacité de comprendre. Que ton onction éternelle par le Saint-Esprit fasse son œuvre remarquable. Accorde-nous la révélation et l'illumination. Et que surtout la parole de vérité sorte dans toute sa puissance pour briser les chaînes de la captivité et rendre libres les opprimés au nom suprême de Jésus. Oh, que la vie de ta parole apporte, éternelle, la lumière dans nos cœurs. Nous donne d'être enracinés dans de nouveaux paradigmes mentaux par ta puissance élevée. Béni sois-tu pour ta parole qui ne rentre pas à toi sans accomplir dans les vies. C'est pourquoi elle est sortie au nom suprême de Jésus. Et que quelqu'un donne 3 bons amen. 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 Amen et amen. Est-ce qu'on peut juste encore acclamer notre Dieu? C'est Dieu que c'est là où vous êtes. Alléluia, gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Amen, gloire à Jésus, gloire à notre Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une semaine exactement, j'ai reçu du Seigneur pendant que j'étais en train de prier une directive prophétique me donnant 5 points que je devrais partager avec vous sur les choses que nous ne devions pas oublier pendant cette crise, pendant cette pandémie. Et donc, je l'ai donné avec un ton prophétique, c'est-à-dire en annonçant avec une certaine force derrière, permettant à cette vérité de créer d'abord dans nos cœurs un nouveau panorama. Cependant, je sais que beaucoup d'entre nous se sont posés des questions sur ces divers points. Donc la semaine passée, j'ai résolu de prendre le temps, en tant qu'enseignant de la parole aussi, sur chaque point de l'étoffer, d'aller, de le parcourir, de le rendre plus explicite, afin que chacun d'entre nous puissions assimiler justement la pensée que Dieu était et est en train de nous véhiculer. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons donc aller sur le 2e point. Nous pouvons parler de ce 2e point qui est la destinée. Ta destinée est prophétique. Vous voyez, cependant, vous voyez, j'en suis sûr, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Qu'est-ce que c'est, le fait que ma destinée soit prophétique? Qu'est-ce que cela implique véritablement? Ou alors, est-on condamné à accomplir comme robot la destinée prophétique que Dieu nous a réservée? Peut-on passer à côté des desseins de Dieu pour sa vie? Oui, et en fait, qu'est-ce que c'est même une destinée prophétique? Eh bien, je vais donc m'installer et prendre une position qui va un tout petit peu me contraindre à aller plus calmement et ainsi permettre à chacun d'entre nous d'assimiler dans le ton de l'enseignement cette vérité ô combien profonde et indispensable pour l'épanouissement de chacun d'entre nous en cette saison précise. Donne-moi ton meilleur amen. Eh bien, ta destinée est prophétique. Qu'est-ce que c'est une destinée prophétique? Une destinée prophétique est une destinée, justement, on dit d'une personne que sa destinée est prophétique quand il y a une puissance souveraine qui règle d'avance sur sa vie les choses qui doivent être. Une puissance souveraine qui règle sur sa vie d'avance les choses qui doivent être. Donc dans Psaume 139, verset 16, comme nous avions vu, il est écrit, et c'est David qui le dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et si ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Donc ici, David reconnaît qu'en ce qui concerne sa vie, il y a un livre de Dieu qui avait déjà mentionné les points, détail après détail, justement, de sa destinée. Et c'est pourquoi on peut donc dire que la vie de David était justement une vie ayant une destinée prophétique. Donc, frères et sœurs, Dieu ne faisait exception de personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne que Dieu favorise. Nous pouvons donc comprendre qu'en ce qui nous concerne, notre destinée est prophétique. Nous avons vu le cas de Jérémie. Jérémie 1, verset 5, « Avant que je ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc, on voit là qu'il y a une main souveraine qui régit la vie des hommes avant même, justement, que certains événements n'arrivent. Donc, en tant que croyant, c'est vital de comprendre que, et d'assimiler, dans notre système de pensée, que notre vie est planifiée par Dieu. Et ça, ça change tout. Notre vie est planifiée par Dieu. Et ayant parlé de Dieu, Nous avons insisté sur le fait que Dieu est un être omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, en tout temps et en tout lieu, et qu'il n'est surpris par rien, parce qu'il voit parfaitement le passé, le présent, le futur en même temps. Et donc, notre vie est contrôlée par la puissance invisible et souveraine de Dieu, qui est aussi appelée la main de Dieu. Donc, celui qui est un croyant, celui qui marche avec Dieu, ne doit pas oublier qu'il y a une main invisible qui est en train de contrôler sa vie. Et la bonne nouvelle, c'est que cette main invisible n'a pas contrôlé ta vie le jour où tu as pris conscience de Dieu. Elle a contrôlé ta vie même quand tu n'étais pas encore conscient de l'existence de Dieu. Et là, nous entrons dans la dimension de la prédestination. C'est assez complexe parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est que la prédestination. Romains 8, versets 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, voyez-vous, la Bible dit qu'il y a des gens que Dieu a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez que la fin d'une vie, justement, une vie avec une destinée prophétique, c'est la gloire. C'est la gloire, la gloire. La Bible dit dans Romains 3, verset 23, « Tous ont péché et ont été privés de la gloire. » Mais à cause de la destinée prophétique, Dieu a orchestré justement la restauration de ta vie jusque dans la gloire éternelle. Oh, que quelqu'un me donne un meilleur amen. Tu le comprendras bien. Et donc, c'est quoi donc avoir être prédestiné? C'est quoi être prédestiné? Être prédestiné, c'est simplement avoir été préparé d'avance par Dieu pour une destination précise ou une mission spécifique. C'est ça, prédestiné. Préparé par Dieu pour une destination spécifique ou une mission particulière. C'est ça, être prédestiné. Donc, chacun d'entre nous, nous ne sommes pas nés par hasard. Non, il y a donc un dessein rattaché à la vie de chaque individu. Clairement, Ephésiens 2, verset 10 le dit. Vous êtes un ouvrage qu'il a recréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous puissiez les pratiquer. Donc, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dieu nous a préparés d'avance. Donc, Dieu a préparé chacun d'entre nous, voyez-vous, pour une mission précise, pour une tâche précise. Et je peux définir la prédestination comme étant une personne préparée pour la gloire éternelle. Donc, quelqu'un Dieu a préparé pour la gloire éternelle. Une personne prédestinée ne finira jamais sa course en enfer. Parce que Dieu a préparé justement une gloire éternelle pour cette personne. Ta destination finale, c'est le ciel. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Maintenant, regardons comment agit la prédestination dans la vie des individus. Et ça, c'est vraiment profond. Prenons par exemple le cas de Moïse. Moïse naît à une période délicate justement de la vie du peuple d'Israël qui est en captivité en Égypte. Et là, Pharaon va prendre un décret. Il dit, ok, tous les enfants d'un an à 2 ans doivent être tués. Alors, toutes les femmes qui donnent naissance à un enfant mâle, les femmes, israéliennes, perdent leur enfant. Sauf que la mère de Moïse est habitée étrangement par un sentiment contraire. Elle regarde son fils, elle trouve que le fils est beau. Il y avait plein d'autres beaux fils qui naissaient dans d'autres familles. Et les mères n'ont pas eu la même attitude. Mais pourquoi la mère de Moïse va avoir cette attitude? Parce que la destinée de Moïse est prophétique. Moïse était destiné à libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Et donc l'enfant va être amené par sa mère au bord du fleuve. Elle va stratégiquement analyser l'endroit où vient la fille du roi se baignait pour déposer son enfant. C'est étrange, elle aurait pu le déposer dans un autre endroit, peut-être dans une plage qui n'était pas peut-être une plage privée, une plage VIP, mais elle choisit une plage VIP visitée par la fille de celui qui a pris le décret contre les fils d'Israël. C'est très fort. Et donc cet enfant va être recueilli dans la maison et la femme va se rendre compte que pour nourrir un enfant, on a besoin du lait maternel. Ce moment Moïse, au lieu d'être mis à mort, la femme va avoir comme de la compassion pour l'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a une main souveraine, parce qu'il y a une main invisible, parce qu'il y a la main de Dieu, parce qu'il y a une prédestination que Moïse ne va pas mourir comme tous les autres. Oh, que cela soit ton partage et ta portion en cette saison. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Eh bien, c'est ce qui va arriver. Donc, on va aller chercher la mère de Moïse pour allaiter son propre fils et on va lui donner un salaire royal. C'est-à-dire, elle est payée depuis le palais. J'imagine que parce qu'elle allait de l'enfant de jour comme de nuit, il y aura un garde autour de la maison pour empêcher que justement cet enfant qui est légitimement l'enfant de la femme qui allait, mais juridiquement aujourd'hui, l'enfant est devenu l'enfant de Pharaon parce qu'il est adopté au palais. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Il va grandir, il va être au palais, il va être chouchouté, il est vu comme un héritier. Sauf qu'il y a quelque chose qui va arriver et cette chose arrive parce qu'il y a une main souveraine qui est en train de régir la vie de Moïse. Regardons ensemble dans Exode 2, versets 12 à 16. J'ai promis ne pas courir et je ne vais pas courir. Moïse va voir qu'il y a deux Égyptiens qui sont en train de se battre. Il regarda de côté d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Et l'Égyptien, en fait, l'Égyptien était en train de s'attaquer à un enfant juif israélien, de le maltraiter. Et Moïse va donc voir et il va décider de tuer l'Égyptien. Et donc il le cache dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Vous voyez, il est adopté dans la famille royale. Mais, voyez-vous, il refuse d'être considéré comme étant un simple Égyptien. Le sang qui est en lui, le sang hébreu, l'attire toujours à aller vers les problèmes de ses frères. Mais pourquoi? Parce que quelque part, il était prédestiné à être leur libérateur. Et donc, c'est ainsi que l'autre va répondre, mais qui t'a établi chef et juge sur nous? Pensais-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Vous voyez le problème? Vous allez libérer un esclave de son esclavage. Mais au lieu qu'il ferme la bouche, c'est encore eux qui vont aller rapporter jusqu'au palais en disant, le Moïse que vous avez là, il a tué un Égyptien. Mais comment est-ce qu'ils ont su? Parce qu'il y a un hébreu. Mais pourquoi est-ce que le racontage et le commérage sont allés jusqu'au palais? Parce que derrière, Dieu voulait utiliser et instrumentaliser tout ça pour que Moïse puisse retrouver l'appel de sa destinée. Et c'est ainsi qu'au verset... verset 15, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse, verset 15. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elle vint puiser de l'eau et elle remplit les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Donc vous voyez, Moïse va donc partir. Pour toutes les personnes qui sont en Égypte, Moïse a été destitué. Moïse connaît la déchéance. Les chaînes de télé ne parlent que de ça. Vous voyez, si on est à cette époque, toutes les WhatsApp, Internet, Twitter, on parle de la déchéance de Moïse, qui a donc dû fuir. Moïse est un meurtrier. Mais pendant qu'il fuit ce qui est appelé la gloire humaine, et qu'il va dans le désert, quand Dieu regarde, il est en train de voir Moïse qui répond et qui court vers son appel. Pour les hommes, c'était une destitution de la gloire. Mais pour Dieu, c'était l'intronisation, l'entrée vers le corridor qui allait le conduire vers la gloire éternelle. Voyez-vous, et c'est très important de le comprendre. Moïse a donc renoncé par la foi à ce trône pour accepter l'appel de Dieu, fuyant dans le désert. Vous voyez, et ça c'est vraiment important, même pour le mariage de Moïse, Moïse va justement épouser l'une de ses filles-là, la fille d'un sacrificateur de Madian. Pourquoi? Parce que Moïse avait une destinée. Il faut faire très attention. Si votre destinée est prophétique, épousez une femme de destinée prophétique. Entrez en alliance dans une famille qui a une destinée prophétique pour vous. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes. Écoutez-moi très bien. Moïse, plus tard, va avoir des problèmes de mariage. Frères et sœurs, Il n'y a aucun homme sur terre qui puisse dire, je vis avec ma femme, on n'a pas de problème. Les problèmes de couple, même celui qui a vu Dieu face à face en a eu. Ça peut arriver. Cependant, et c'est très important, faites attention aux connexions, à examiner les familles, le périmètre, l'environnement dans lequel vous entrez. Parce que ça peut jouer un rôle vital pour votre propre destinée. Donc Moïse va chasser sa femme. Le père de Moïse peut dire, ah mais c'est pas possible, c'est cet étranger là même, on ne sait pas d'où il vient ici, il est venu prendre une fille. Mais d'ailleurs on a même dit que lui il est recherché à Moïse. Non, en Égypte, non, il ne dira pas ça. Il va chercher le bien-être de sa fille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer la fille, il va la ramener auprès de Moïse, ça c'est un acte important. Et ensuite, il va s'asseoir dans le ministère de Moïse et il va examiner le ministère de Moïse et il va se rendre compte que le problème de Moïse ne vient pas d'un mauvais cœur mais d'un excès d'occupation. Il va se dire à cette allure, cet homme ne peut pas être un bon mari parce qu'il est tellement occupé au travail qu'il faille qu'on trouve une solution pour le décharger du travail afin qu'il revienne jouer son rôle de mari. Et que le soir, il ne soit pas fatigué parce que peut-être que les problèmes venaient du fait que la femme de Moïse voulait son mari la nuit et Moïse était fatigué. Il dit, je suis fatigué. Ce n'est pas seulement les femmes qui disent je suis fatigué, l'homme aussi peut dire je suis fatigué. Ah ouais? Moïse était fatigué et le père a aidé. Voyez-vous, donc le beau-père a joué un rôle vital et important dans le ministère de Moïse. C'est pourquoi il faut faire attention, frère. N'entrez pas seulement en alliance avec une femme parce qu'elle est belle. Entrez en alliance tout en tenant compte de tous les paramètres de la belle famille dans laquelle vous mettez vos deux pieds. Ça peut soit vous servir de vent dans le voilier de votre destinée, vent favorable ou de vent contraire. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende ce qu'un homme sage peut dire de la part du Seigneur. Donc tout doit être prophétique. Le choix du mari, le choix de la femme, prophétique. On ne choisit pas seulement quelqu'un parce que, ouais, bon, dans tous les cas, j'aime son... Non, prophétique. Quelqu'un dit prophétique. Quand on est prophétique, tout est prophétique. Il faut que tout soit prophétique. Vous allez même voir, et je fais une parenthèse, que parce que la destinée de Jean-Baptiste était prophétique, même sa manière d'habiller était prophétique. Il ne s'est pas habillé en costume comme moi, il était en vêtements de poils de chameau et il mangeait des sauterelles et du miel. Pourquoi? Parce qu'il devait ressembler à Élie, il avait l'esprit d'Élie. Tout est prophétique. C'est très important. Revenons donc sur le cas de Jean-Baptiste, puisqu'on parle de lui. Luc 1, verset 13 à 17. Mais l'ange dit, ne crains point. Regardez bien la descente de Jean-Baptiste. C'est encore la prophétie. Ne crains point. On a vu dans l'Ancien Testament, de Moïse, comment est-ce qu'il y a eu une orientation, il y a eu une visitation prophétique dès sa naissance. Regardez le cas de Jean-Baptiste dans la Nouvelle Alliance. C'est vrai qu'il est mort avant la Nouvelle Alliance, mais on raconte son histoire dans la Nouvelle Alliance. Regardons dans Luc 1, verset 13 à 17. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Voyez que le nom de Jean-Baptiste n'est pas choisi par son père, mais il est choisi par Dieu. L'ange communique en disant, le nom de Jean. Vous savez, quand on parle de destinée prophétique, tous les détails doivent correspondre à ce qui est inscrit dans le livre. Parce que dans le livre était déjà marqué Jean. Vous ne pouvez pas sur terre maintenant venir l'appeler Amos. Non. Il sera pour toi un sujet de grande joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Regardez ça, écoutez attentivement. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. On aura le temps de revenir. Il marchera avec l'esprit et la puissance. Pas seulement l'esprit, mais aussi la puissance d'Élie. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, dans ce cas-là, Jean-Baptiste n'a pas choisi ses parents, comme d'ailleurs personne d'entre nous. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il est allé rendre visite, d'accord, au père de Jean-Baptiste qui est Zacharie. Il lui parle en disant, ta femme sera enceinte. Et cette femme était stérile pendant longtemps. La stérilité était due au fait que le temps marqué de la venue de son fils n'était pas encore arrivé. Les hommes pouvaient ne pas comprendre, mais parce que la destinée de cette femme était prophétique et qu'elle devait porter ce fils, Alors les choses qui arrivaient à cette femme ne pouvaient pas suivre les mêmes normes que ce qui arrivait à toutes les autres femmes. Quand votre destinée est prophétique, apprenez à vous réjouir de tous les paramètres. Ils peuvent être favorables comme défavorables, mais toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et c'est là justement où beaucoup de personnes ont des problèmes, frères et sœurs, voyez-vous. Hein? Vous êtes peut-être une sœur, vous allez à l'église et une autre jeune dame, elle s'est mariée avant vous. Pas de problème. Dans l'agenda prophétique, il y a un temps. Il y a un temps marqué par Dieu. Voyez-vous, c'est très important. Il y a le temps kairos, il y a le temps de Dieu, il y a le temps de l'action, il y a le temps de la visitation. Quand vous êtes avec Dieu, apprenez à collaborer avec tous ces paramètres parce que votre destinée est prophétique. Les gens donc qui ne collaborent pas avec le kairos, qui ne collaborent pas avec l'agenda ou l'horloge de Dieu, vont passer à côté justement de certains points concernant leur propre destinée. Et ça, c'est compliqué. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui fabriquent leur bénédiction parce qu'ils ne savent pas attendre celle que Dieu a réservée. Il faut faire attention. Et ça dans tous les cas. Voyez-vous, là il y a eu même le choix des parents. Hein? Le choix des parents, Dieu intervient. Et laissez-moi vous donner un autre exemple. Pour ceux qui aiment les profondeurs. Hein? Dis, et je vais t'entendre, j'aime les profondeurs. Dis-le encore s'il te plaît. Je vais partager avec toi certaines profondeurs. Est-ce que vous savez que même le choix de vos parents, le choix de parents a été fait en fonction de votre mission et que Dieu ne vous aurait jamais donné un autre père parce que l'autre père n'aurait jamais été le bon père ou la bonne mère pour vous. Certaines personnes pensent, oh si simplement mon père était, sinon, si ton père était pas ce qu'il était, ta vie n'aurait jamais été ce que Dieu a voulu qu'elle soit. Donc c'est Dieu qui a choisi tes parents. D'accord, regardez le cas d'Abraham. Abraham est né dans une famille d'idolâtres. Son père terrestre est un adorateur d'idoles. Certaines personnes diront, mais c'est pas possible. Avec ça, Abraham aura trop de problèmes. Non, Dieu dit, avec ça, Abraham accomplira facilement sa mission. Mais comment? Parce qu'en tant qu'adorateur d'idoles, Abraham avait déjà vu son père faire des sacrifices. Il avait vu son père tuer les animaux. Il connaissait ce que c'est que les rituels. Vous voyez, s'il avait grandi à l'église, peut-être qu'il n'aurait pas connu ça. Mais il fallait qu'il soit initié aux choses mystiques pour comprendre les choses mystérieuses de Dieu. Et c'est ça le mystère, justement, de la destinée prophétique. Quand Dieu va lui dire, prends une génisse de 3 ans, une tourterelle, Abraham va comprendre que Dieu est sérieux. Mais pourquoi? Mais parce que, justement, il avait déjà été initié par son père dans les choses du monde. Vous savez, je m'arrête là pour vous dire que même votre Égypte est prophétique. Souvent, vous avez votre enfant, vous dites, oui, Seigneur, je veux qu'il soit sauvé. Il y a un temps pour Dieu. Frères et sœurs, l'Égypte, moi, mon Égypte m'a aidé. Le fait d'avoir connu la cigarette, l'alcool, d'avoir couru après les femmes quand j'étais jeune, de m'être masturbé, ça m'a beaucoup aidé dans mon ministère. Aujourd'hui, il y a une maturité que j'ai, un regard que j'ai, qu'un homme qui a été né sur la Bible Scofield ou bien Thompson ne comprendra pas. Parce qu'il y a des choses dont on apprend à l'école de Satan. Satan même étant un instructeur pour quiconque est à une destinée prophétique. C'est très important. Il y a des choses que Dieu t'enseigne. Il y a des choses que l'Égypte t'enseigne, que tu n'auras pas comme leçon quand tu seras, vous voyez, dans la maison de Dieu. Et ça, c'est important. Le drame, c'est qu'on a beaucoup de personnes, justement, qui ne tirent pas avantage de leur Égypte. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille, voyez, adorer l'Égypte, non. Mais vous devez apprendre à tirer avantage de votre Égypte. Tu étais une ancienne prostituée. Et aujourd'hui, Dieu t'a sauvé. N'aie pas honte de le raconter. Ça fait partie de ta marche. Ça fait partie de ta destinée. Eh bien, je vais te dire une chose. Tous les hommes peuvent refuser de t'épouser. Mais cet homme-là, que Dieu a préparé pour toi, ça peut être ton roi, ça peut être ton président, ça peut être ton prince. Il va tomber amoureux de toi follement. Enfin, je veux dire divinement. Il va être enivré de tes charmes. Lui seul va ressentir à l'intérieur quelque chose parce que Dieu a voulu qu'il soit ton mari. Ton Dieu n'est pas bête, Dieu n'est pas fou. Alléluia. Et donc c'est très important. La Bible dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. D'accord? Donc Dieu appelle ceux qu'il prédestine. Frères et sœurs, c'est Dieu qui nous appelle. L'appel vient de Dieu parce qu'il nous a prédestinés. Personne ne peut être appelé dans le royaume de Dieu s'il n'a pas été prédestiné. Vous voyez, frère, je vous dis la vérité, personne. L'évangile que nous prêchons, nous le prêchons. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Personne ne peut avoir la conviction de péché si ce n'est le Saint-Esprit. Donc il est important que nous puissions nous référer à l'action surnaturelle du Saint-Esprit et continuer de croire qu'au temps marqué, Dieu va faire dans la vie de quiconque ce qu'il a prévu faire. Car nos destinées sont prophétiques. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Donc c'est très important, frère. Dieu a appelé chacun d'entre nous afin que nos vies servent à quelque chose. Proverbe 16, verset 4, il dit, il fait toutes choses pour un but. Donc il y a un but rattaché à ta vie. Et je veux dire ceci, et je le dis avec une ferme assurance. Il n'y a aucun événement dans le naturel qui pourra ébranler les plans surnaturels de Dieu à ton égard. Aucun. En ce qui me concerne, aucun. Et c'est pourquoi je développe cette zen attitude, ou alors cette faite attitude, cette attitude de foi en l'égard de la vie. Voyez-vous, c'est très important, parce que je sais que je ne suis pas au hasard. Et j'ajoute ceci, de la part du Saint-Esprit, je le dis souvent, est-ce que tu sais que Dieu a plus envie que toi que tu réussisses la mission et le mandat qui t'a été assigné, et qu'il va faire tout ce qui est à son pouvoir pour t'aider à accomplir cet appel, car c'est lui qui t'a appelé, tu ne t'es pas appelé. Celui qui t'a appelé a plus envie de la réussite de la mission que celui qui est appelé. Et ça, c'est fondamental. Et donc, si Dieu t'appelle, c'est que tu es important. Si Dieu t'appelle, c'est que tu as de la valeur. Si Dieu t'appelle, c'est qu'il t'a soupesé et considéré. Je vais encore plus loin. Et ça, ça va choquer les religieux. Si Dieu t'appelle, c'est qu'il connaît tes forces et tes faiblesses. Dieu n'appelle pas les personnes parfaites, mais il amène à la perfection les personnes qu'il appelle. Ça, c'est très important. Très, très important de le comprendre. Donc rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Il n'y a pas de hasard. Dis, je ne suis pas au hasard. Oh, ce matin encore, je célébrais le fait que je ne sois pas au hasard. Dis-le encore, je ne suis pas au hasard. Alléluia. Il n'y a rien qui va vous rassurer comme ça. Le fait de savoir que vous n'êtes pas au hasard. Et que chaque chose qui vous arrive, voyez, est orchestrée par le ciel d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas orchestré par le ciel, c'est permis par le ciel. Oh, je veux reprendre. Si ce n'est pas orchestré par le ciel, c'est permis par le ciel. Aucune tentation n'arrive à un croyant qui n'ait été permis par Dieu. Et chaque fois que ça arrive, c'est parce que Dieu estime que tu as la capacité, la force d'en sortir. Si tu n'as pas encore la force, ça n'arrive pas. Donc tous les problèmes qui m'arrivent à moi, j'ai déjà la force de surmonter. Les gens me demandent, mais comment tu fais? On te critique, on raconte de toi les choses sur toi sur Internet, on dit si, on ça. Moi je rigole, parce que tous ces événements, j'ai été préparé à les vivre. Non seulement à les vivre, mais à sortir victorieux. Et à laisser mes ennemis perplexes, grincer les dents jusqu'à se couper la langue. On ne comprend pas de quelle espèce est cet homme. Il est de l'espèce des prédestinés et des appelés. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Lève ta main droite et dis, oh Dieu m'a appelé. Encore Dieu m'a appelé. Permettez-moi, parce qu'il est trop difficile d'être cantonné sur une chaise quand on s'appelle Raoul WAFO. Laissez-moi me tenir debout ici un moment. Écoutez-moi, Dieu t'a appelé. Quand Dieu t'a appelé, ça veut dire qu'il a parlé et qu'il a fait connaître qu'il était intéressé par WAFO. Et qu'il a dit Raoul WAFO et qu'il a parlé. Et quand il a parlé, l'or a entendu, le bauxite a entendu, le cacao a entendu, le lion a entendu, l'hyène a entendu, l'enfer a entendu, les démons ont entendu, parce que Dieu t'appelle. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Il m'a appelé. Est-ce que tu crois que c'est une vérité fondamentale pour ta vie que Dieu t'a appelé? Est-ce que tu le crois véritablement? Dieu t'a appelé. Ne complique pas ta vie. Il t'a appelé. Ne falsifie pas ton existence. Il t'a appelé. Ne te dis pas si je... Non, il t'a appelé. Il est encore capable de prendre soin de toi dans tous les détails. Parce qu'il t'a appelé. Il a soupesé ta valeur. Il connaît tes désirs. Il connaît tes appétits. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes manquements. Il connaît ce dont tu as besoin. Et tenant compte de tous ces paramètres, il t'a appelé. Et quand Dieu t'appelle, c'est que la condition dans laquelle tu te trouves va changer. Alléluia. Allez demander à Bartimée. Quand Bartimée a crié et que la foule le faisait taire, Jésus a dit, faites-le venir. Et le silence est installé. On a dit, il t'appelle. Et quand le maître t'appelle, c'est que tes yeux vont s'ouvrir. Quand le maître t'appelle, c'est que ton histoire va changer. Quand le maître t'appelle, ta destinée va basculer vers les hauteurs. Ta manière de dire amen m'embête. Alléluia. Ce n'est donc pas au hasard. Dis, je ne suis pas au hasard. Le maître m'a appelé. Alléluia. Et vous voyez, Quand nous parlons de ça, regardez le cas de Jean-Baptiste, c'est très profond. Marc 9, verset 13. Mais je vous ai dit qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. On aura le temps de revenir parce que beaucoup de personnes ont pris ce texte pour parler de la réincarnation, qu'il y a une réincarnation, Élie est revenu. C'est très complexe puisqu'on parle de l'esprit et de la puissance d'Élie. Et donc il dit, le Élie que vous attendiez, c'est Jésus qui le dit, il est revenu. D'accord? Mais vous voyez, et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il était écrit de lui. Vous savez, mon histoire et ton histoire ne se ressembleront jamais. Frères et sœurs, il ne faut jamais dans la vie te dire, mais pourquoi avec lui là, les choses semblent aller bien, mais moi. Imaginez Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste est en prison, son cadet de 6 mois continue le ministère, mais lui il est arrêté. Mais imaginez un peu les frustrations qu'il peut avoir. Mais pourquoi est-ce que je suis arrêté? N'ai-je pas fait ce que je devais faire? Il est arrivé au point où il a même douté. Es-tu vraiment celui que j'ai introduit, Jésus? C'est vraiment toi? Il a envoyé poser la question. Mais en fait, au moment où il posait la question, cette parenthèse est importante, il avait déjà achevé sa mission. Donc, en certains moments, vous allez vous rendre compte que les gens qui achèvent leur mission doivent repartir. Parce que si vous ne repartez pas, vous risquez de devenir zinzin. Parce que la mission est terminée. La révélation qui vous avez été donnée pour accomplir un mandat. Quand le mandat est terminé, c'est fini sur terre. Vous repartez au ciel. Vous prenez le billet d'avion au retour, parce qu'il y a eu un billet d'avion d'aller, qui était la naissance, et le billet d'avion au retour, qui est la mort. Vous repartez là où vous venez. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Eh bien oui, Dieu t'a donné un billet aller-retour. Alléluia. Eh bien, c'est important. Jean-Baptiste, d'accord, est mort selon ce qui était écrit de lui. On l'a traité de la sorte. On l'a traité de la sorte. Voyez, moi je suis dans le ministère. Je vous prends mon cas. J'ai beaucoup d'amis. Mais pourquoi, toi qui as attaqué, un jour Dieu m'a demandé, oui mais attends, dis-moi, de tes amis, qui j'ai béni financièrement comme toi? On a tous nos histoires. Vous ne pouvez pas vous mettre à vous comparer à quelqu'un d'autre, vous êtes unique. Vous devez comprendre la spécificité rattachée à votre mandat et à votre destinée. Et vous réjouir de vivre ce qui est écrit de vous. Pendant qu'il se posait des questions sur Jésus, il ne savait pas que Jésus lui aussi allait avoir son heure, où il allait mourir à la croix, entre la tête coupée et crucifiée. Vous choisissez quoi? Dans tous les cas, c'est compliqué de choisir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les deux ont eu des naissances surnaturelles et ont eu des morts difficiles, des morts tragiques. Vous comprenez? C'est des grands hommes, c'est pas des pécheurs, c'est des hommes consacrés, mais qui ont subi les outrages des hommes. Subir les outrages des hommes ne veut pas dire que vous n'êtes pas avec Dieu. Non, non, mais écoutez, grandissez, écoutez, grandissez, écoutez, grandissez en Christ. S'il vous plaît, grandissez. Oh, mais s'il était un homme de Dieu, mais pourquoi? Frère, sœur, grandis, grandis dans le Seigneur, c'est important. Il faut grandir. Jean-Baptiste est bien celui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui est le péché du monde. Jean-Baptiste est bien celui-là qui a provoqué la voix de Dieu. Quand Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Jean-Baptiste, c'est bien lui qui a parlé. Mais c'est le même Jean-Baptiste dont la tête a été tranchée. Ah oui, mais c'était écrit de lui. Donc dans le livre de Dieu, parce qu'il y a un livre, ne pensez pas que toutes les histoires sont écrites de façon agréable. Oh, et puis il était dans sa Lamborghini. Et puis il était à la maison. Et son mari et lui et elle mangeaient au restaurant tous les jours. Et tout se passait bien. Il peut avoir un chapitre qui dit, et le mari chassa sa femme. Et la femme, et le mari, alla reprendre sa femme. Tout ça, ça fait partie des péripéties de la vie. Vous savez, il n'y a que des personnes, vous voyez, honnêtes, qui vont avoir le courage de vous montrer les cicatrices de leur appel. Chacun d'entre nous, nous avons notre histoire. Mais vivez-la pleinement. Vivez-la pleinement et passionnément. Voilà, c'est très important. Très, très important. Alors, dans un message que j'ai intitulé « Vivre selon ce qui est écrit », je parle de Jean-Baptiste qui a régné la dimension de la puissance de Dieu. Et qui a donc, en fait, il n'a fait aucun miracle. Alors que la Bible dit clairement qu'il viendrait avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et nous voyons, Élie a fait tellement de miracles, mais Jean-Baptiste n'a pas fait de miracles parce qu'il a renoncé à la dimension, à cette dimension de sa prédestination. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Faites très attention. Ne renoncez à aucune dimension de votre appel. Ne renoncez à aucune dimension. Quand on lui a demandé, es-tu le prophète? Il a dit non. Es-tu qu'il a dit qu'il devait venir? Il a dit non. Es-tu le Messie? Il a dit non. Qui es-tu? Je ne suis pas digne, je ne suis ici. Non, la fausse humilité. Il faut vous identifier à votre appel. Ce que vous êtes en Dieu, proclamez-le, annoncez-le, affirmez-le. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Alléluia, gloire à Dieu pour toutes les personnes qui sont venues rappeler la loi de Moïse. Je ne fais pas partie de cela et je ne crois pas qu'on ait été prédestiné à ça. Ce qu'on est souvent, certains d'entre nous, occultés par rapport à la vérité de notre appel. Je suis de ceux que Dieu a mandaté pour annoncer au corps de Christ que la justice de la croix est une réalité et qu'elle doit être démontrée dans la vie de chaque croyant. Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. N'en déplaise à ceux qui ne croient pas à l'abondance. Donne-moi le meilleur des amens. Et je ne vais pas compromettre mon appel pour faire plaisir à quelqu'un qui n'a pas bien compris ce que c'est que l'appel. Dans cette dispensation, jamais de la vie, je ne vais me falsifier. Vous voyez, frères et sœurs, le billet de 100 $ ne sera pas mal à l'aise parce que le boutiquier du coin dit qu'il n'a pas de monnaie. Il y a des billets comme 500 €, on ne prend pas ça partout dans les rues à Paris, mais il ne va pas changer sa valeur. Tu as le taxi, dit j'ai pas la monnaie, ici j'ai pas la monnaie, là j'ai pas la monnaie, 500 € reste stable. Il ne va pas aller devenir 10 € parce qu'il veut être accepté par tout le monde. Frère, vous devez comprendre que c'est une question de destinée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est une question de destinée. Alors même Jésus lui-même, regardez dans Marc 14, verset 21, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Il y a une histoire écrite de chacun, pour chacun d'entre nous. Ma prière, le cri de mon âme, le cri de mon cœur, le soupir de mon être pour toi, c'est que tu découvres par le Saint-Esprit, point après point, les points, c'est-à-dire ton histoire, ce qui est écrit, ce qui a été dit, et que les prophéties prophétiques et les prophéties mensongères de cette dispensation ne te sortent pas du couloir de l'appel de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Il est écrit dans Romains 8, verset 14, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et que Dieu te donne par son esprit de découvrir justement la révélation profonde de ton histoire en Dieu. Ton histoire est spécifique et unique. Permettez que je me relève une fois de plus. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, laissez-moi vous dire ceci, écoutez-moi bien, vous ne pouvez, vous savez, ton appel, Rodolphe, ton appel, je garde le mètre de distance, d'accord, ton appel, c'est important que tu comprennes, il n'y a personne sur terre qui l'accomplira mieux que toi. C'est-à-dire que dans, vous savez, si vous croyez en ça, il y a si un message que Dieu m'a révélé avec tellement de profondeur, c'est vraiment la destinée prophétique après la foi, c'est vraiment, il n'y a personne, c'est-à-dire ton appel, il n'y a personne d'autre comme toi qui pourras l'accomplir avec autant de brio. Personne. Donc, c'est un appel spécifique, rattaché à ta personne. Et cet appel va engager le ciel dans des dimensions que tu n'imagines pas. C'est ça l'appel de Dieu. Ça va engager le ciel. Il y a des choses qui ont été écrites à ton égard. Mais ma question pour toi, Rodolphe, c'est ici toute personne qui reconnaît que Dieu l'a appelé. Ma question pour toi, jusqu'où es-tu prêt à aller dans l'obéissance en ce qui concerne ton appel, même quand ça exige le passage par la croix? Nous aimons, aujourd'hui on a un évangile léger, un évangile qui est quantifié par le résultat de nombre d'offrandes que nous recevons, le nombre de personnes qu'on a dans l'église, c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est la croix. Si vous ôtez la croix de l'évangile, l'évangile perd tout son sens. Notre maître est mort sur une croix et notre maître a exigé que nous portions chacun d'entre nous notre croix. Et donc, c'est ça. Celui qui veut venir après moi, qu'il porte sa croix. La croix. La croix. Voyez-vous, c'est important. Donc, si on a une destinée prophétique, Adam ne pouvait pas se contenter d'être riche dans le jardin. Oui, il va rendre grâce à Dieu. Je suis riche, je suis béni. Mais ce n'était pas ça le but. Non! Le but de son existence était d'amener le règne de Dieu, la domination dans ce jardin et non d'être riche dans le jardin. Donc tout ce que Dieu fera dans la vie de quelqu'un qui l'a appelé, de quelqu'un qui l'a prédestiné et appelé, il le fait uniquement pour atteindre le but de l'appel. Et c'est pourquoi si vous ne faites pas attention, je parle au pasteur, les gens vont transformer votre ministère pastoral en ministère je ne sais pas comment dire, en ministère familial. Ta famille va commencer à dire, oui, ben voilà, j'étais au culte de Dieu, on a fait les offrandes, ah, vraiment, viens payer mon loyer. Les offrandes du culte ne sont pas là pour payer ton loyer de ta soeur, de ton père, de ton beau-père, de ta belle-mère, non. L'argent est là pour le service de Dieu. Jésus a été comme ça, et qui est mon père, qui est ma mère? Ce sont ceux-là qui font la volonté de mon père. Il doit avoir cette rigueur dans l'appel de Dieu, cette rigueur de savoir que celui qui t'a appelé est capable de pouvoir à tes besoins. Ah bien, quand j'ai dit que l'homme de Dieu ne vit pas de l'autel et est nourri par le ciel, on a dit que je mentais. Les gens m'ont attaqué. Maintenant, les églises sont fermées. Vous vivez de quoi? Alors, maintenant, si tu n'as pas appris à avoir la visite du corbeau, tu vas mourir. Oh, que la miséricorde divine envoie un corbeau vers toi avec de la viande et du pain au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen et ton ministère va basculer à un autre niveau. Dis encore amen. Alléluia. Dieu est ton Dieu bon. Dieu est un Dieu bon, frères et sœurs. Et ça, je voudrais qu'on s'en rappelle. Écoutez-moi bien. Le jardin, entre le jardin et Adam, qui a existé en premier? Non, je vous pose, entre le jardin et Adam, qui a existé en premier sur terre? Qui est venu en premier? Entre l'or et le diamant, l'or, diamant, pétrole et Adam, qui est venu en premier? Entre la nourriture et Adam, qui est venu en premier? En d'autres termes, tout ce dont nous avons besoin existe dans le territoire de notre appel avant notre venue. Donc ça veut dire que tout ce dont tu as besoin est déjà là. Dieu t'a déjà donné tout ce qu'il te faut. C'est déjà là. Même si tu ne le vois pas, allez demander à Abraham. Le bélier était déjà là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est important. Eh bien pourquoi? Parce que Dieu justifie ce qu'il appelle. Romains 8, 30, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Si Dieu t'a appelé, il va aussi te justifier. Et à cause de la justification, Dieu va créer dans ta vie des connexions divines. Donne-moi le meilleur des amens. Vous voyez, c'est ce que j'appelle les facilitateurs de destinée. Quand tu as une destinée, tu rencontres des gens sur ton chemin qui vont te permettre d'aller loin. Allez demander à David sa rencontre avec Jonathan. Jonathan a été pour David un facilitateur de destinée. Dans 1 Samuel 18, verset 1, David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Qu'est-ce qui a amené, frères et sœurs, Jonathan a aimé David? C'était quoi? C'était Dieu. Il y a des gens qui vont t'aimer. Ils ne savent pas pourquoi ils t'aiment, mais ils t'aiment. Ils aiment ton affaire. Donc ne faut pas perdre ton temps, justement, à t'apitoyer, parce qu'il y a quelques brindilles de personnes qui ne t'aiment pas. Il faut, voyez, passer le temps à valoriser les relations d'alliance, considérer et respecter les personnes que Dieu a envoyées auprès de toi comme des anges. J'ai appelé ma fille hier nuit et je lui ai donné un conseil de père. Et je vous donne une partie de ce conseil, je lui ai dit dans la vie. Il y a des gens que tu rencontreras, qui ne seront pas riches, qui n'auront pas beaucoup d'argent. Mais ce sont des anges que Dieu a envoyés à tes côtés. Ces gens seront pour toi un frère, une sœur, une mère. Ces personnes te donneront ce que beaucoup de personnes ne pourront pas te donner. Ils te donneront leur cœur, leur loyauté. Il ne faut jamais oublier. Voyez-vous, ce n'est pas toujours l'argent. Il y a des gens, voyez, il y a des gens qui vous aiment vraiment, qui n'ont pas de calcul, qui n'ont rien dans la tête. Ils vous aiment vraiment. Ils ne sont pas prêts à supporter qu'il y a des choses qui se passent dans votre dos. Ils vous aiment vraiment et vous le diront. Ces gens-là, il faut les chérir. C'est des trésors, c'est des pépites sur le chemin de la destinée. C'est un homme sage qui vous parle. Faites attention. Mais il y a d'autres qui vont vous accompagner avec juste l'envie de profiter de l'aura ou de la grâce que vous portez. Ceux-là sur le chemin, ils vont vous lâcher, ils vont vous trahir, ils font partie de la génération de Judas, des traîtres. D'accord? Il faut faire attention. Et donc Dieu va aussi justifier qu'il t'a appelé par la protection surnaturelle. Donc il va te protéger. Dieu va te protéger. Qu'importe les complots, qu'importe. Quand ton heure n'est pas arrivée, rien n'arrivera. Parce que Dieu te gardera. Et il va te protéger même des pandémies. Comme on l'a vu, Psaume 91, verset 8. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour. ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc cette saison est une saison de distinction. Je n'ai aucun doute à ce sujet, aucun doute. Je ne mourrai pas de cette pandémie. Et si c'est ton cas, dis-le après moi encore. Je ne mourrai pas de cette pandémie. Verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, Donc même la provision financière sera ta portion comme un acte de justification que Dieu t'a appelé. Oh, que cela soit ta portion. Au nom suprême de Jésus, même pendant cette crise, nous continuons de voir la fidélité abondante de Dieu à tous égards. Les eaux sont toujours en train de monter. Les greniers sont remplis. Et Dieu est en train de nous faire prospérer. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Et même s'il arrivait que les eaux s'amenaient à tarir, nous allons continuer de louer sa fidélité. Parce que nous savons que c'est un Dieu qui ne jamais. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Si Dieu a empêché que le bébé Moïse soit tué, ce n'est pas quand Moïse est devenu grand que Pharaon pourra encore le tuer. C'est pas possible. Donc si tu as échappé jusqu'à cette heure, tu as échappé quand tu ne savais pas prier, tu as échappé quand tu ne savais pas jeûner, tu as échappé quand tu ne savais pas donner ta portion d'alliance, tu as échappé quand tu n'avais pas rencontré Jésus, tu as échappé quand tu ne m'avais pas rencontré. C'est pas le jour où tu as rencontré Jésus et tu es sous le leadership d'un homme plein de grâce et qui a une notion particulière que tu dois commencer à te lamenter. C'est pas possible. Dieu a tellement embelli ton existence et saturé ton aide que tu ferais que te réjouir en lui et en ses promesses à ton égard. Donne-moi 3 bons amen. Amen. J'ose croire, bien-aimés, que vous avez été bénis par ce message. Et je voudrais vous encourager, envoyez-moi vos questions. Je veux répondre à vos questions. Si elles sont très abondantes, je prendrai le temps d'avoir une émission particulière pour répondre à toutes vos questions et m'assurer ainsi que vous avez la connaissance indispensable pour justement tenir ferme dans votre foi à l'égard de votre Dieu, surtout en cette saison. Je voudrais donc profiter pour prier maintenant pour toutes les personnes qui sont connectées à cet hôtel, et tu veux recevoir Jésus dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton sauveur personnel. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen, amen et amen.